Hello la Mif, bienvenue dans un nouveau vlog YouTube. Moi c'est Alex, j'habite à Lille mais je suis toujours en vadrouille. Le voyage m'anime, j'aime partir en quête de renouveau, de choses différentes pour découvrir ou redécouvrir, partager et surtout apprendre et me surprendre. Je me sens bien quand je sors de ma zone de confort, quand je vois ou fais des choses que je n'ai jamais fait auparavant. Je sais aussi que mes déplacements, surtout en avion, explosent mon bilan carbone. J'ai envie de faire des efforts là-dessus et aller de plus en plus vers le slow travel. Alors, je pars en quête d'aventure, proche ou lointaine, et je t'emmène avec moi. Là, on a pris un train de Lille jusqu'à Paris, mais c'est pas notre destination finale, parce qu'on va faire plus de 600 km en train de nuit pour aller dans le sud, et plus spécifiquement en Occitanie. On se rend dans une ville qui est riche en patrimoine et en culture, que vous connaissez peut-être ou pas, et que je vais vous faire découvrir. Là, du coup, on va prendre le train de nuit. J'espère que la nuit sera reposante, parce qu'on est un peu KO. Mehdi, d'ailleurs, il a fait ce spectacle hier. Petit extrait du spectacle de Mehdi tout de suite. Merci. Ça va quoi les gars? Vous avez l'air super sympa, vous êtes une bande de potes là. Ouais, vous avez l'air trop cool, j'ai envie de m'asseoir avec vous, de faire une partie de jeu de société et tout, non, ça va, merci. Non, trop cool. Ça va, monsieur? Ouais, super, je peux vous tutoyer? Vous êtes venu voir qui, vous? Oh, d'accord. Non, je savais pas que j'étais sur cette tranche de... Oh non, de pull. Par rapport au pull et tout. Tu t'appelles comment? Serge, si tu t'appelles Serge, arrête de mentir. Je t'ai pas demandé ton blaze au Club Med que tu donnais en 79, tu vois ce que je veux dire? Sergio, il m'a dit non. Merci Sergio, tu es très stylé, tu es beau, j'aime beaucoup l'écharpe. Il m'a laissé en vue, le bâtard. Non, merci, c'est Sergio. Sergio Tacchini. Je suis content, il y a tous mes collègues qui sont... C'est bon, ouais, oui, merci. Pas tarder à me faire chier, celui-ci. Il y a tous mes collègues, j'ai vu, il y a mes collègues. Faites du bruit. C'est toute la salle, en fait. Moins de bruit, les gars, en travaillant en banque, les gens, ils nous aiment pas. Hein? Quelle banque? Une banque de sperme. D'autres questions? Non, dites-le maintenant, s'il y a des questions, c'est maintenant. Si vous connaissez pas Mehdi, je vous invite à aller checker son Insta, Mehdi Mitchell. Il fait pas mal de stand-up à Lille, donc n'hésitez pas à aller le voir. Et maintenant, je vous emmène avec moi. On va aller voir notre petite couchette et puis dormir. Et demain, on se réveillera dans le sud. Arrivé à Albi et on a un Airbnb de malade. Je vais juste vous montrer la vue. C'est pas trop beau? Choix qualitatif en termes d'Airbnb. Comme je vous le disais hier, on a pris le train de nuit depuis Paris-Austerlitz et on est arrivé ce matin à Toulouse. On avait une correspondance parce qu'il y avait des travaux, donc on pouvait pas faire la ligne directe jusqu'à Albi. Et à la base, on devait attendre 1h30 à la gare. Et au final, on a chopé un TER qui partait direct pour Albi. Ce qui fait qu'on est arrivé ce matin très tôt, vers 7h30. Et il faisait extrêmement froid. J'étais pas du tout prête à ça. J'avais déjà pris le train de nuit avec ma sœur pour aller dans les Pyrénées. D'ailleurs, si vous avez pas vu cette vidéo, je vous la mets ici en haut. Et là, du coup, j'étais avec Mehdi et lui c'est la première fois qu'il prend le train de nuit. Pour l'instant on a visité le centre historique un peu de Albi. On n'avait pas grand chose à faire, qu'on avait les sacs ce matin. Je vous emmènerai avec moi dans les prochains jours pour voir un peu plus la ville en détail, découvrir un peu l'histoire de cette ville qui est apparemment très très riche. Je vous en dirai plus dans les prochains jours. Voilà. Thank you.
les gars, on vient de terminer notre déj au Bistrot Régent. Pour ceux qui connaissent pas, c'est une chaîne de resto dans le sud-ouest. C'est des plats simples mais super bons, frites et salades à volonté. Franchement, je vous conseille, si vous allez dans le sud-ouest, vous devez forcément manger là-bas. Et là, je suis actuellement sur les berges du Tarn, qui est donc la rivière qui traverse Albi. Donc Albi, en fait, c'est une ville qui se situe dans le sud, à une heure à peu près de Toulouse, en tout cas en train. Et Albi, en fait, c'est une ville qui m'intriguait quand je regardais sur internet. Je voyais pas mal de monuments assez fortifiés qui avaient l'air d'être très très anciens. C'est le cas dans la réalité. Et c'est ça qui est assez intriguant dans cette ville, en tout cas la vieille ville. On dirait que c'est resté dans son jus et que c'est vraiment d'une autre époque. On la surnomme notamment la ville rouge pour les briques en fait qui composent certains bâtiments, notamment la superbe cathédrale Sainte-Cécile. Franchement, j'adore cette ambiance du centre historique où tout est resté un peu dans son jus. Là en plus, il n'y a pas grand monde comme c'est hors saison. T'as l'impression d'être dans un environnement de Moyen-Âge. Quand je suis arrivée et que j'ai vu la cathédrale Sainte-Cécile hyper imposante au milieu d'une petite place, je me suis dit waouh, on est dans un décor de Game of Thrones. Franchement, c'était hyper impressionnant. Faut savoir que la vieille ville d'Albi, elle est instaurée au patrimoine mondial de l'UNESCO, donc c'est vraiment pas rien. Donc j'ai un peu cherché l'histoire de la ville. On surnomme en fait Albi, en tout cas le centre et la vieille ville, comme une cité épicospale. Donc en gros, c'est un gros mot qui veut dire que le pouvoir à l'ancienne, il était détenu par les évêques. Et en gros, ce qui s'est passé, il y a eu un moment très très important pour les Albigeois. Il y a des personnes en fait qui se sont insurgées contre le pouvoir de l'église, mais en fait, c'est les cathares. Donc il y avait en gros le catharisme versus le pouvoir de l'église classique qu'on connaît tous. Il y a eu une énorme croisade contre les hérésites. Il y a eu une énorme période en fait d'inquisition, de bataille un peu de pouvoir. T'as l'impression en fait quand tu viens à Albi que il y a toujours un peu cette atmosphère féodale dans les rues, de par les bâtiments comme je l'ai dit. Et c'est hyper intriguant à voir. Et il y a une certaine atmosphère dans la ville qui est à la fois paisible et à la fois intrigante. Donc je vous invite vraiment à aller voir par vous-même si vous avez l'occasion de visiter Toulouse et sa région. Franchement, c'est hyper beau en tout cas à voir. Donc notamment, il y a pas mal de trucs à visiter. Il y a la cathédrale Sainte-Cécile, ça c'est un peu le must à faire à Albi. Il y a pas mal de petites places aussi à faire. Il y a quelques musées aussi, je pense qu'on en fera un demain, je vous montrerai. Il y a aussi du coup pas mal de balades. Il y a le Tarn juste à côté qui longe la ville. Ça franchement, je trouve ça trop bien d'être dans une ville où tu peux avoir la nature vraiment tout de suite à quelques minutes. Et en fait, tu peux faire des balades depuis le centre-ville et te retrouver complètement dans la nature. Je vous emmène avec moi faire une petite balade le long des berges du Tarn. C'est plutôt pas mal cette petite balade de l'échappée verte autour de la ville d'Albi. Franchement trop apaisant, il y a personne, le soleil vient de se lever, t'entends l'eau ruisseler, je valide. On est passé aussi devant la centrale hydraulique que je vous ai montrée en image, qu'on entend et qu'on voit depuis notre Airbnb. Et en fait j'ai regardé, ils indiquent qu'elle produit environ 9 millions de kWh par an. Donc voilà, on va continuer notre petit périple pour remonter vers Albi. Hello les gars, dernière journée à Albi. On a réussi à négocier un départ tardif du Airbnb, ce qui est une bonne chose puisque notre train de nuit, il est tard ce soir, il est vers 21h. Du coup là, la mission première, c'est de trouver un resto pour manger. Et ensuite, on va faire un musée. Il y a pas mal de choses à visiter aussi en intérieur ici, ça tombe bien comme ça. On pourra être au chaud aussi, je vous montre tout ça. C'est la merde. Si vous venez à Albi, ne faites pas comme nous, à vous lever tard, puisque passé 14h, tu peux plus manger en fait. Il y a rien de rien de rien ouvert, genre c'est mort. Bon les gars, on a littéralement fait tous les restos qui étaient ouverts. On a dit bonjour, on aimerait déjeuner pour deux. Et à chaque fois ils nous disaient désolé, on fait plus le service. Nous sommes actuellement à la Micaline. Au moins on sera mieux ici que dans n'importe quel resto qui nous a refoulé. La moyenne d'âge dans cette ville est égale à ce qu'il y a derrière moi, là, c'est-à-dire 200 ans. Puis on s'est fait renvoyer chier, pas toujours courtois, avec courtoisie. Mais voilà, merci la Micaline, merci. Pour combien tu vas le voir et tu fais, elle est bien faite cette œuvre là. Comme ça. Vas-y, s'il te plaît. Non. Vas-y toi.
Bon, du coup, le on a fait. C'est coup... Lautrec, je te dis. Je viens de faire le musée Toulouse-Lautrec, qui du coup est celui en hommage peintre illustrateur Henri Toulouse-Lautrec. Et vous le connaissez sûrement pour ses illustrations et les affiches du Moulin Rouge, qui sont assez connues. Et il y a cette phrase qu'on a vue écrite partout, qu'il a dite « Je boirai du lait quand les vaches brouteront du raisin ». Que tu peux nous expliquer pourquoi il a dit ça? Parce qu'il était foncedé, frère. Voilà. C'est Brigitte Macron. Il y a Brigitte Macron. En fait, il se défonçait la gueule beaucoup trop souvent. Il a dit, vas-y, je vais partir en cure, frère. Et en fait, son esprit, il n'arrêtait pas de focus sur l'alcool. Et là, sa grand-mère, elle lui écrit, il fait, comment il va, celui-ci? Et lui, il répond, bah, écoute, pas ouf, là, j'ai envie de tease, c'est... Pff. Il a dit, écoute, bois du lait, va nous casser les couilles, frérot. Il a dit, bah, tu sais quoi, moi, je boirai du lait le jour où les vaches mangeront du raisin. Qui insinue, ceux qui n'ont pas compris, va faire du vin avec ses seins. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si elle fait du lait, elle a mangé quoi? Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est pas cohérent ce que tu dis, mon gars. Ça se voit qu'il était pas bien. Il était pas bien, le gars. Si elle mange, par exemple, du cranberry, va chier quoi, la meuf? Du Ocean Spray? Du coup... C'est une marque de jus de cranberry. Allez, merci. Qu'as-tu pensé de la ville d'Albi? Ah, c'est sympa. D'ailleurs, ses habitants viennent aussi du Moyen-Âge, apparemment, vu la moyenne d'âge. Mais sinon, oui, c'est une ville où tu vas faire une ambiance. C'est sympa à visiter. C'est le grand sud-ouest, on respecte. J'ai bien aimé le fait qu'il y ait pas mal de monuments historiques à visiter, notamment aussi dans les rues. Il n'y a aucune rue qui se ressemble et aucune maison qui se ressemble. On vous recommande le bar aux vendanges. T'as rien à dire là-dessus? Non. Mehdi, il est traumatisé du bar qu'on a fait hier. Là, le reste du programme, c'est de se poser, puis d'attendre tranquillement notre train qui est ce soir. Je vous montrerai du coup comment ça se passe pour le train de nuit. Devant notre train de nuit, et je voulais vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Dans un train de nuit, il y a trois classes différentes. Donc il y a les places assises, et le prix commence à 29€. Il y a les places couchettes en seconde classe, le prix c'est à peu près 39€. Et il y a les places en première classe, et là c'est des places couchettes à partir de 49€. Et vous pouvez même privatiser le compartiment. Si vous êtes en seconde classe, vous allez partager du coup les couchettes avec 5 autres personnes. Et si vous êtes en première classe, vous allez partager la couchette avec 3 autres personnes. Et là je vais vous montrer à quoi ça ressemble du coup à l'intérieur. Mesdames, messieurs, venez faire la visite. En gros, quand tu rentres dans la voiture, tu vois tes places. Là, 11, 106, sachant que nous, on est 53, c'est ça? 54 et 56. Je pense que les gens, ils savent distinguer. Les places sont notées sur les couchettes. Donc là, vous voyez bien qu'on est dans la seconde classe. 6 couchettes. Donc là, c'est notre petit compartiment. On fait la petite visite. Je vous ai dit, il y a 6 personnes. 2 ici, 2 au milieu et 2 en bas. Moi, ce que je vous conseille, c'est de réserver. Vous avez le choix sur le site de la SNCF de prendre vos sièges. Donc, je vous conseille soit milieu, soit en haut. Parce qu'en bas, je trouve que c'est un peu restreint et c'est un peu chiant, je pense, pour bouger. Si vous prenez le train de nuit, ne prenez pas de valise. Vous allez le voir, il n'y a pas trop de rangement. En fait, si tu regardes, il y a juste la place pour s'allonger. Il y a limite la place en bas, mais là, c'est les gens qui prennent les couchettes du bas qui mettent leurs valises ici. T'as un compartiment au-dessus. À la limite, là, ça peut le faire. On est vraiment un sac à dos, le strict minimum. En train de nuit, c'est mieux. Comme ça, vous avez les rangements adéquats. Il y a le kit un peu de survie de la SNCF. Un masque de nuit, des boules qui est, du dentifrice et un mouchoir. Et vous avez oreiller et couette. Couette pour avoir. Sachant que vous pouvez régler le chauffage, régler la lumière. Et vous avez aussi des prises pour charger vos téléphones ou vos appareils électroniques. Du coup, là, je vais dans le couloir pour vous montrer à quoi ressemblent les toilettes. Je sais pas si ça va être ouvert parce que normalement, à l'arrêt, c'est fermé, donc je vous mettrai à l'image à quoi ça ressemble les toilettes et la partie un peu salle de bain minimaliste que vous pouvez utiliser. Franchement, moi j'adore voyager en train de nuit, je trouve que ça change, surtout que c'est assez abordable et c'est aussi très écologique. Ça permet en fait, tu vois, en partant de Paris et en une nuit en fait, se réveiller dans le sud de la France et de découvrir des paysages totalement différents, donc ça c'est super pratique. Après, il y a quand même des inconvénients. Les inconvénients, c'est que c'est pour moi très fatigant de voyager en train de nuit. Pour l'instant, j'ai fait que sur des week-ends et je trouve ça quand même assez crevant. Le lundi, tu rentres, si tu dois
travailler, t'es pas non plus au top de ta forme parce que tu dors pas non plus super bien, il y a quand même 5 personnes avec toi dans la cabine. Donc ça dépend de votre type de sommeil, mais moi qui ai le sommeil très léger, voilà, ça peut parfois être difficile. Après voilà, ça change, donc ça dépend de votre mode de confort que vous avez besoin en voyage, ça dépend de votre état d'esprit aussi quand vous voyagez. Franchement, je vous conseille au moins d'essayer une fois. À la limite, si vous avez un peu un budget plus élevé, vous pouvez aussi privatiser un compartiment, je pense, en première classe. Là, du coup, je vais vous montrer comment on s'installe dans notre couchette. Voilà à quoi ressemble ma petite couchette. Les affaires sont rangées ici. C'est la première fois que tu prends un train de nuit. Ouais. Peux-tu nous faire un retour sur tes visions positives et négatives de ce moyen de transport? Alors positif, bah en fait ça va, c'est confortable. Ils te donnent des boules caisses, ils te donnent un petit kit pour les yeux et tout. Tu peux éteindre la lumière, tu peux laisser que celle-ci. Je suis grand, tu vois. Donc là, moi je passe totalement là-dedans. Il y a de la place pour mettre les affaires et tout ça, c'est cool. Point négatif, bah tu sais pas avec qui tu tombes en fait dans les autres couchettes, tu vois. Si le gars il a fait 5 ans de prison, il vient de sortir, tu vois ce que je veux dire. Ou s'ils sont en train de prendre un apéro, ils sont bourrés. Autre point négatif, c'est que si quelqu'un lâche une caisse, il n'y a pas de boule caisse pour le nez. Tu dis ça pour les autres? Ouais, les autres qui lâchent des caisses. Non, les autres qui subissent. Ouais, on subit tous les caisses de certains. Arrêtez de lâcher des caisses. Arrêtez. Je pense que ce qui peut être chiant, c'est les autres. Et voilà, le bruit, les trucs comme ça, quoi. Et si c'était à refaire, est-ce que tu referais? Ouais, je le referais parce que du coup, ça te fait gagner sur du temps de voyage. Ça te fait gagner une nuit d'hôtel. Donc économiquement, c'est intéressant. Prends un train tard pour arriver tôt le matin. Donc t'as le temps de profiter de ta journée pour de vrai. Tu dors mal, c'est cuit pour toi parce que tu vas arriver fatigué déjà. Et le problème, c'est que les Airbnb ou les hôtels, bah, ils commencent, ils te disent t'arrives à 15h. Donc toi, t'arrives à 9h, fais niquer un peu. Mais faut prévoir ça. Faut prévoir du temps de faire autre chose. Un conseil, faut mettre des vêtements. Faut pas prévoir des vêtements relous. C'est-à-dire, faut pas s'habiller trop chaudement et tout. Faut être en mode chill. Petit jogging un peu, tu peux prévoir pour arriver une activité sur place ou un endroit où négocier pour arriver plus tôt à l'hôtel ou l'Airbnb si c'est possible. Donc ouais, je dirais ça, c'est deux choses en amont. Le reste, bah, tu contrôles pas. Tu vois. Bon les gars, il est bientôt 8h, on s'apprête à prendre notre deuxième train pour aller à Lille. Le voyage du retour en train de nuit s'est mieux passé que celui d'aller, je trouve que j'ai mieux dormi. Donc si toi aussi t'as kiffé ce petit voyage à Albi, tu peux liker et commenter cette vidéo et aussi t'abonner à ma chaîne, je vais pas mal partager de voyages cette année. Et tu peux aussi aller checker mon Insta où je mets toutes mes photos et mes vidéos de voyage, c'est onneutralclubalex. J'espère que ça t'a donné envie de voyager en train de nuit, de voyager aussi en France, dans des endroits que tu connais peut-être pas. Je te laisse partager cette vidéo et je te dis à bientôt.